Fais pas chier, oh. Coucou mon bébé. Je cuve l'alcool. Ma bico, j'ai dit que. Hein. Nathalie Owen. Je cuve mon alcool ici, là. J'ai fait une sauce gombo. Arachide, courgette, avec la viande, os, avec os, la viande avec os, poisson fumé, le goût de chat, avec le piment, un jeté de piment, c'est ça. Ça descend seulement une fois. Tendre jusqu'à. On dit quoi? Ça, c'est du bon. C'est avec ça que je cuve mon alcool. Les obstacles des chats. Merci, oh, fais pas chier. Tu as un mariage? Tu as un mariage où, ma bique? Merde. Le goût de chat. Maman, c'est trop, trop bon. Rien que quand tu vois comme ça, la viande est bien tendre. J'ai dit qu'elle ne fait pas chier, c'est très bon. Alors, on va causer. L'odeur de ça. Tata Doudou. Tata Doudou, le doigté culinaire. C'est bon, ça pique, c'est sucré, ninkok, bang. Le piment réjeunais. Yeah, Blue Man. Eh, Seigneur. Ouais. Si ma grande maison était à côté, c'est que j'allais recevoir tout le monde. Maman, il y avait les Canadiens. Les Canadiens sont venus à la soirée. Tata Doudou, tu ne m'invites pas. Ils sont venus tester Tata Doudou, hein, à Salon d'or de ça. Tu mets une petite touche de sauce d'arachide dans ton gombo. Une petite touche d'arachide dans ton gombo. L'arachide du pays. Une petite touche. Regardez l'os, 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 il verse. Il verse. Oh, oh ma galloise. Eh, mon bébé. Tu es loin. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Je t'aurais embarqué ce matin, ma fille. Maman, ça brûle même mes doigts. Le goût de chat. Maman, tu adores préparer. Toi, tu es une vraie femme. Merci beaucoup, Aïssa. La vraie nourriture, c'est celle que toi-même tu as mis dans la marmite. Patricia Matikeo, le goût de chat. Eh, ma puce, si tu étais à côté, tu allais seulement bombarder ça. On dort de ça. Anti. Loulou de soleil, oh.
observer en direct. Je vais finir de préparer ma main, m'asseoir. On va bien parler maintenant. Excusez ma vie. Tout ce que je fais là, vous aussi, vous faites souvent ça. Maman, la fatigue de ça, c'est ça que vous voulez voir. Hey! Homo! La maison est calme. La maison est calme. Attendez. Ici, là, c'est bon même. Voilà. La maison est calme. Maman, j'ai porté tranquillement, tranquille. Le tout aussi, c'est comme ça. Tranquillement, tranquille. Je suis sortie de la cuisine. Je suis au balcon. Maman, la soirée était belle. Vous avez vu comment nous-mêmes, on était belles. Avec le piment. Moi, j'aime préparer, j'aime manger la bonne nourriture. La bonne nourriture, la nourriture bio. Bio, c'est parce que toi-même, tu fais. Tu vas prendre ce qui est naturel. Pas ce que le blanc a fini de rajouter, les trucs qui nous font. Ils auraient été. Moi, je suis no stress. Tous les gens qui vivent avec moi le savent. Leur Samuel, il dit qu'il y a une petite touche de gombo avec la viande de la basse côte. Vous voyez, il dit que tata Doudou, comme ma fille dit souvent. Depuis la Suède, maman. Maman, depuis la Suède, là, je vous fais des gros bisous. Hey! Le bisou de ça. Avec tout et n'importe quoi, tata Doudou peut vous fabriquer quelque chose jusqu'à vous manger. Donc, observez-moi manger. On dit que je suis un doc. J'accepte, je vous prouve ça en direct. Et Manon Dundou. Maman, la fête était belle. La fête était belle. Dieu éternel. Quand quelque chose doit réussir, hein, il y a toujours ça. Tu manges à quelle heure, ma soeur? Est-ce qu'il y a l'heure pour manger? C'est que quand tu as faim, tu manges ce moment. Moi, je viens de me réveiller. J'étais zombie. Pour vous annoncer que j'ai fait l'accident. Mais c'est juste un petit dégât matériel. Il ne faut pas s'attacher au matériel. Je suis en bonne santé. Je me portais bien. J'ai cogné. Je suis rentré dedans. Crénie, Clarisse, tu m'avais demandé le bouillon, tu m'as pas. Ok. Pardon, attends, dès que j'ai fini de dire, on se prend. Je n'ai pas compris. C'est juste un petit dégât matériel. La fatigue. J'ai attaché le Misunga là. Vous avez vu comment le Misunga là était un gym, comme les coups de poing, non? Le coup de poing bien précis là. Quand tu veux atteindre ta cible, tu formes seulement. Non, zut, là, c'est juste la voiture, hein. Elle roule encore, puisque je suis rentrée. Mais j'étais fatiguée. J'étais très fatiguée. Elle dit que la fatigue a pris le dessus. Patricia m'a typiquement offert un champagne le matin. Parce que moi, je suis restée jusqu'à la fermeture. Hein. Je ne sais pas si c'est l'esprit protecteur que j'ai souvent.
Surtout quand je me sens bien avec les miens. On a fait l'after là, c'est parce que je n'avais pas, j'ai oublié de ramener mon chargeur. Je vous ai dit ça, non? Vous vous rappelez? Sinon, j'allais vous montrer les images. Alvin, je dis que tu manges alors bien. Désolé, ce n'est pas pour un manque de respect, c'est que bon, je dois partager ça avec vous. Je cuve l'alcool. Et que Patrice a mastiqué, m'a acheté un champagne. Wonderful. Au petit matin, le champagne est monté à ma tête. Comme il faisait chaud. Avec la chaleur. Et c'est venu trouver la fatigue. En moi, déjà cumulée depuis 3 jours. Comme j'ai nettoyé les boyaux et les tripes. Le corps a lâché. A lâché. Vous avez vu que quelqu'un peut pas sa nourriture, lui-même il apprécie. Ça me boit. Canumban. Agnari. Stéphane Photo, tu dis que tu as eu un câlin de moi. Massa, maman, les Canadiens qui avaient dans la salle. Vraiment, vous avez vu que les gens sont confondus. Hein. Et les Canadiens, là, bravo. Moi, j'ai dit que vous êtes seulement venu me tester. Hein. Voir les gens en vrai, si vraiment Tata Doudou est comme elle montre souvent dans des vidéos. Là. Merci beaucoup, Yolande. Tata Doudou est en vrai comme ça. Je n'ai même pas pu danser parce que maman Katino est vraiment la femme là. C'est ma mère. Hein. C'est ma mère. Moi, elle savait que j'allais faire le show avec elle. Mais je suis devenue sa Tinda. Elle me dit seulement que tu vas te mettre là à ramasser mon argent. Hey, kékélé. Et vous savez que quelqu'un qui ramasse l'argent, c'est une totale confiance. J'étais prête. Et Camille, merci beaucoup. Je dis, Camille, qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi les madame Doudou, mais madame Flore, madame Tel? C'est un nouveau mot que tu viens d'apprendre ou quoi? Hein, Camille? Les ongles avec le vernis. Tu manges avec tes sales, toi. Toi-même, tu es sale. Parce que c'est le doc de ça. Je ne te bloque pas. Tu vas souffrir de me regarder. Les détracteurs étaient pleins dans la salle. Ils sont venus confirmer le Minsunga. Tout le monde était seulement avec un grand sourire. Tata Doudou, Tata Doudou, Tata Doudou, Tata Doudou. On m'appelait partout. Il y a une photo de ça. Et photo de ça. Les ongles. Souvent, même ceux qui insultent la mémé, ils sont laids jusqu'à. Laids. Ne te bloque pas. Comme tu veux qu'elle te fabrique, parce que j'ai prononcé ton nom. Il l'a. Je crois qu'elle m'attarde sur ça. Il finit d'abord de manger. Après, il te bloque. C'est comme ça que vous êtes. Vous venez provoquer les gens. On s'est amusé bien hier. Pierre, le goitre de ça. Le petit sabotage là n'a pas marché. Il a juste dépensé, oui. Mais la soirée s'est bien passée. Il n'y a pas eu de dégâts. À part alors au petit matin. Ouais. L'ambiance qu'on a engagée là. L'ambiance était de taille. Vous savez qu'on a coupé la musique, non?
avec Mini Minon et Nivakin. Mini Minon, Nivakin, Chakala. Elle dit que au petit matin là. On peut même déjà donner trop d'importance. Allez, va te faire foutre, chouin. Connard. On va parler maintenant comme. On va bloquer les bêtises. On va parler maintenant comme. Serge Ananga. Quand tu viens un peu, un genre papier, là, tu dis connard, connasse. Ils sont comme ça. Quand on ne répond pas. Je te dis qu'un rose. Eh, rose. Les gens sont méchants gratuitement. Hein. Voilà, une fois que soit tu fais ton direct, toi tu lances ton direct et tout. Engagez au thé. Vraiment. Ils disent qu'ils ne répondent plus. Ils peuvent insulter comme ils veulent. Là, là, là. Je marche librement. Dès qu'il est fini là. On va se réunir encore. Je marche librement à Paris. Je dis seulement que ça se passe sur la toile. Ne vous manque pas, mes chéris. Vous avez vu comment j'essaie souvent de mettre mon gros cul en valeur, non? Que quelqu'un tente ses caca. Je vais l'attacher comme le Misunga costaud que j'ai fait là-bas chez Dieu éternel. Je vais l'attacher. Il va être tellement être comprimé qu'il ne va plus jamais provoquer quelqu'un d'autre. Parce que Tata Doudou l'aura redressé. Que ça reste seulement sur la toile. Moi, elle vous manque pas. Je suis une bête. Parce que non seulement je travaille. Je sais me reposer. Je sais être fatiguée. Mais je n'aime pas qu'on me provoque. Donc, quelqu'un qui va venir tenter sa maman pour me fouler. Ma yi, yi, tani, ban, yi, tun, tout coupe. Tu arrives gaillardement, kunya 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 kunya, ou à cause de tout zout. Ou à quoi mon abo direct, oui, et tu viens te permettre. Ça vous passe même souvent par où? Maman, être gosse n'est pas un chien de homme, mais. Tu es belle ronde comme... Je dis qu'il faut prendre soin de son corps. Moi, je n'ai pas honte de mon corps. Hein. Quand il faut le mettre en valeur, je le mets. Vous savez, la robe que je devais me mettre, hein, je n'ai pas pu la mettre parce que j'ai fait 3 jours sans dormir. Et vous voyez que le corps ne réagit plus pareil. Donc, j'ai mes pieds qui ont enflé. Donc, ça fait que je ne voulais pas que je sois mal à l'aise dans ma robe et tout ça. Et comme je vous ai dit, c'est selon souvent les circonstances. Mes gens, il faut souvent s'habiller selon les circonstances. N'allez pas vous encombrer parce que vous voulez à tout prix qu'on voit que, oui, tu as porté une robe, machin, machin. Si tu es bien dans ta robe, tant mieux. Mais pas le genre que tu veux t'asseoir. Après, tu commences à voir le ventre qui pousse là-bas, bing, les fesses qui dégagent de l'autre côté, bing, le sein qui sont même là-bas en désordre, ça fait... Vous voyez un peu le genre là. Non, il faut être à l'aise. Donc hier là, moi je gambadais, j'étais tranquille dans ma petite robe, hein. Hugo Island, tu as WhatsApp? Oui, j'ai WhatsApp. On se prend une box, chérie. Oui. J'étais tranquille, j'étais à l'aise. En plus, il fait chaud. Vous avez vu? Quand j'ai changé, là, j'ai mis mes ballerines et tout ça, là. Vous avez vu? T'es nyanga, hein? T'es nyanga, tranquille. Laissez-moi manger. Attendez. Tu m'avais cherché même la bière. Je vais encore bien vous charmer. Les gens qui viennent mettre les têtes de mort là, ils langent tous.
Mon Minsunga a bien dosé. Le Minsunga, ça a dosé bien même. Oh, ouais, un petit wam wakama blumen. Eh, tu me souffres. Bah, tu en veux ce quoi, si tu as bien quoi. Que celui-là va se permettre, il vient gaillardement, couillant. Il arrive devant ma porte, il vient me dire n'importe quoi. Va aussi faire ta part. Tu fais que ma cuvelle comme moi, non? Tu sais, Fabal, il soit. Mirabel. Un tout zout. Avant que je te bloque, je dis que un tout zout. Que je sois besoin de Dieu. À me bilan. Soigne-toi même au carré. Non, regarde. Ah, Mirabel, je fac. Na nyango. Jambon. Ma yena ni ma nyango a Mirabel. Bon. Je vais boire ta santé. Après, il te bloque. Et mis sous le zout. À la tienne. C'est pour t'emmerder et je t'emmerde, Mirabel. Va te faire foutre, chouin. C'est comme ça. Ils sont là, ils ont faim. Vous pouvez faire ça. Quand vous rentrez d'une soirée comme ça, là, bosser comme j'ai bossé, après vous tapez une sauce avec les options comme ça, là. Ça veut dire que j'ai tout chez moi. Donc, vous avez faim, là, vous atterrissez sur les directs des gens, vous venez vous permettre d'insulter. Vous croyez qu'on n'a pas la bouche pour insulter? Mouf! Et me binant l'eau. Maman, les Canadiens sont arrivés. Ils sont venus me tester sur place. L'armée en sourdine est venue sur place tester Tata Doudou pour avoir la confirmation que est-ce qu'ils ne se sont pas trompés de leur star qu'ils vont avoir, quelle est leur star qu'ils vont recevoir. Tata Doudou, aujourd'hui, je fais aussi pour la première fois le Minsunga. Je t'enverrai une photo inbox. Je te mettrai tous les ingrédients, le goût de ça. Ça, c'est très bien, ça, Dina Willy. Ça, c'est très bien. Moi, j'adore partager. Donc, ça ne me dérange pas. Et si tu as besoin d'informations, tu me dis, même pour les astuces pour nettoyer les tripes, les boyaux, quand quelqu'un s'intéresse, ça ne me dérange pas. Parce que moi, mon Minsunga, je fais ça avec amour. Et je ne fais pas que le Minsunga. Je suis traiteur. Je suis traiteur. Polyme, la matin va très bien, merci beaucoup. Je te dis, ma petite maman chérie, elle n'a pas pu m'attendre. Je suis arrivée chez moi ici à midi. À midi, imaginez. Moi, j'ai une famille adorable. Si je lui donne l'heure du Minsunga Blumen, tu sais quoi? Il ne va plus arriver ici. Donc, il faut lui donner l'occasion de venir et après, on va le recevoir. Voilà. Ma veuble, il y a un canilan. En manque, j'ai dit que. Et le Minsunga a eu le succès jusqu'à c'est fini. Oh, ma bi, coucou ma petite soeur. C'est comment aujourd'hui? C'est spécial bilan. Oui! Spécial bilan à la gouma, veuble, bobu, si, larme, taria. Bah, c'est un peu de mon courant, ben, ouais, ma quoi. Ah, bon, tu vois, c'est carré, je me souviens, nous, c'est quatre. Non! Ma samou, canilan, ma veuble. Minsunga yitere. Une songe ben nous nous fouben parce que y a même année non on trouve ni ma soupe ni tang. Tu vois un peu? Ah, ma bique, félicitations encore à notre fille, franchement ça fait notre fierté, hein.
Parce que quand je parle comme ça, là, elle vient, elle guette tata, je suis internationale et tout ça. Elle est fière de dire que voilà, c'est ma tata, hein. C'est pas les lol. Tata, le rotage de ça, bien, vraiment. On est naturel, moi comme ça, je suis naturelle sur la toile. Franchement, parce que j'adore la vie. Mon frère, si elle meurt aujourd'hui, je vais encore rôter où? Vous allez encore entendre le son là-haut. Elle a foutre. Je suis venue m'asseoir et manger devant vous. Parce que la soirée était belle. Nous tous, on était dans le stress. Moi, comme ça, là. Parce que c'est vrai que Dieu éternel m'a fait confiance en me disant qu'écoute, tata Doudou, voilà, fais-moi les misunga et tout, tout, tout. Maintenant, ceux qui mangeaient, est-ce qu'ils allaient avoir le même goût de ça? Le goût de ça, là. C'est important. Vous voyez, quand on fait à manger pour plusieurs personnes, on était au moins plus de 500 là-dedans, hein? On était au moins plus de 500. Il aurait même fait un chiffre d'affaires beaucoup plus explosif. Mais c'est parce que le service n'a pas suivi. Nous, quand on est arrivé à 2 heures, on a trouvé que les gens se plaignaient. Et ce n'était pas normal. Ce n'était pas normal. Donc, il ne peut pas être partout, le pauvre. Mais on avait une très belle salle. Franchement, on avait une très belle salle. Elle était spacieuse. Ça dit que tout le monde pouvait marcher à l'aise et tout. On ne se marchait pas dessus. Et il a mis tout le monde à l'aise. Ah oui, c'est comme ça. A mis tout le monde à l'aise, sincèrement. Audrey Caramel. Mais quand nous boignons, boignons. Seigneur, mais écoute, je suis mourue. Mirabelle, tu es mourue. Hein? Vous savez, c'est ça qu'il faut sur la toile. Hein? Merci beaucoup, Hugues Highlander. Je vais dormir un peu là. Mirabelle a faim. J'ai compris ça. J'ai compris ça. Vous savez, il y a des nourritures que tu as seulement envie de manger, la nourriture de la marmite. Parce que comme on est ici en Bing, tous les moyens, il y a. Il y a tous les moyens ici, là. Si tu veux manger McDo, si tu veux manger le kebab, si tu veux manger le tacos, si tu veux manger les petites nourritures, genre, là, vous voyez. Et même si tu veux manger même la nourriture de la mamie, tu peux aller au restaurant. Il y a les restaurants africains, là, à Paris. Tu peux aller ou un restaurant des whites, même. Mais ce n'est pas comme la nourriture de la mamie que tu as préparée chez toi. Hein? Mais il faut savoir le faire. Il faut m'être disposé. Parce que quand il dit qu'il me fait à manger pour moi-même, comme là, je me suis fait à manger pour moi-même. Ma fille est partie avec son tonton Nias la bombe. Ils sont partis entre oncle et nièce. Maman, le goût de ça. Hein? Papa Choukrou est venu chercher Nicolas. Ils sont partis au village là-bas dans Vogada à Foucherolles. Le grand garçon, moi, je suis là avec lui. Comme lui aussi, il a bien travaillé et tout, 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 tout. Donc, j'étais. Mais comment? Vous parlez de quoi? Donc, tous ces jours-ci, je ne mange pas bien parce que je suis concentrée. Et j'adore manger, moi, la nourriture que je peux pas. J'adore ça. Ah oui, j'adore. Donc, moi, je me suis assise là. J'ai fait mon petit gombo coupé, congelé, là. J'ai fait ressortir ça. J'ai tapé les courgettes dedans. J'ai tapé un peu d'arachide comme ça, là. Donc, quelqu'un, quand il me voit manger comme ça l'énerve. L'énerve jusqu'à. C'est sûr même qu'elle a même essayé de vouloir faire le misunga pour venir rivaliser Tata Doudou. Mais elle a vu seulement que l'odeur de ça, elle vient couya, couya, couya. Au lieu de venir poser les questions que Tata Doudou, tu fais comment? Elle vient couya, 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 couya. Pour venir dire que tu es sale. Tu manges avec les ongles. Mouf! Quarzout. Ah oui, hein, Lily Martial Minou, c'est une autre dimension. Donc là, hey, garçon, machine pong, c'est comme un homme. Ma big, m'en fou. Elle me lâche jusqu'à. C'est ben bezaba. Mais t'as rien bois, faut être poli quand tu es devant les gens. Il faut être ceci. Mouf, allez-y là-bas. Et là. Si vous pouvez être à l'aise. Moi, je pète, je rigole, je pine, je rôte. Je suis libre. Je vais où je veux. Je marche librement.
Et je ne marche pas comme le lézard, en regardant comme ça, là, que merci, Seigneur, c'est comment et tout. Non, je suis libre, c'est ça. Et quand quelqu'un est libre, il faut se lâcher. Moi, je me lâche. Voilà. Ah oui, moi, j'ai aimé. Hein. Franchement, c'était très bien. Tata Doudou, j'ai zouké avec toi hier. Tu zoukes bien. Et As Gaston. Ouais, j'ai qu'un vous là. Maman, les FP étaient versés là-bas. Hé, hey, je vous donne chapeau. Vous savez comment on remarque la FP? Quand la PDG est arrivée, il fallait voir l'attroupement, la pauvre. Elle avait chaud, alors qu'elle avait une chorégraphie à montrer. Il n'y avait plus moyen. Elle arrivait avec sa tenue traditionnelle là et tout. Maman Langala, elle est touchée. Ah, cette fille-là, c'est quelque chose, hein, vraiment. Et tu vois les FP qui sont là tout autour. Quand on met la chanson, quand notre artiste de talent est arrivé là de la PDG, il a commencé à chanter. Tout a commencé comme les amusements. PDG International, Fleur de Lille. Eh, maman, Doudou Ngamba, la maman Mintemisunga, reine galloise, PDG canadien. Mini Mino, Nivakin, et goût de chat, goût de chat, goût de chat, goût de. Hé, hey, maman. Tu vois comment tout le monde est autour. Tu cibles seulement que ping, tu vois le téléphone là comme ça. Là. C'est les FP. Maman, j'en ai vu plein là-bas. Et celles qui m'ont donné leur nom. Et celles qui ne m'ont pas donné leur nom. Hé, hey, qui? Ah oui. Qui s'apprête à dormir là? Tata Doudou, tu as fini comment avec la belle de Rouen? Je dis que maman à Thérèse. La pauvre, au petit matin, quand on faisait l'ambiance là, parce qu'elle vous dit que je vous donne le fax de l'after. Là. La pauvre, elle avait son sac accroché, non? Elle me dit que Tata Doudou, on va s'amuser. Donc, comme on a commencé un enchaînement de after là, au parking là, les voitures étaient garées n'importe comment. La musique Boumaye Pim commençait à danser. La voici qui décroche son sac et pose par terre. Tourner son petit cul là. Après un moment, tout a disparu. Le sac, il n'y avait plus. Dans son sac, il y avait ses clés, ses kaolo, toute sa vie dedans. Et elle devait partir, elle devait voyager. Elle doit voyager mardi. Imaginez un peu. Imaginez un peu. C'est-à-dire que je voulais partir voir la fille là comme ça là. Je dis que, hey, Seigneur, si c'est moi. J'imagine comment tout le monde peut monter dans la voiture et partir. Elle va rester là seule. On a cotisé pour elle. On ne vous manque pas. On a cotisé pour elle parce qu'il fallait qu'elle aille porter plainte. Il y a les caméras sur le parking là. Qu'on voit qui a pris son sac. Vraiment, les gens qui font souvent comme ça, là, est-ce que vous vous mettez souvent à la place des autres, franchement? Quand tu ramasses tout un sac, prends au moins l'argent, va fouiller, tu abandonnes ça quelque part. Mais tu prends tout le ballot de l'anga, tu pars avec, ça va te servir à quoi? Et qui est? Comment vous faites souvent les choses comme ça, la pauvre? Heureusement qu'elle n'était pas en voiture. Heureusement qu'elle n'était pas en voiture. Son truc s'est retrouvé comme ça, parti, il n'y avait plus rien. Elle s'est retrouvée comme ça là. On l'a amenée, on l'a allée la déposer dans le commissariat le plus proche là-bas pour qu'elle porte plainte. Mais après avoir porté plainte alors, il faut qu'elle retourne à Rouen. À Rouen, quand elle pense encore qu'elle va arriver là-bas et qu'il faut qu'elle défonce la porte. Je lui ai dit quoi, ma chérie? Il faut marcher souvent avec son instinct. Parce que dans la vie, quand tu vois certaines choses, il y a des choses qu'on ne perd pas. Si tu perds tes clés, tu peux égarer. Perdre et égarer, c'est différent. Parce que la clé, c'est quelque chose que tu ne peux jamais l'oublier parce que tu penses que quand tu vas revenir, si tu perds ta clé, tu perds tes kaolo ici en Bengue, surtout les kaolo. Maman, les kaolo ne sont plus que tu vas aller à la préfecture et puis tu vas où on t'arrange, hein. Selon la solution, et non. Pour ceux qui le font, il faut écrire. Donc, les lois changent. La pauvre a tout pris.
Oui, je vais envoyer Alvin, je vais t'envoyer ça. Pour le Ndok Mangolo qui vient d'arriver. Goût de chat. Vous vous rendez compte? La pauvre s'est retrouvée comme ça. Elle lavait mes mains après. J'imagine un peu la galère. Et elle doit voyager. Je lui dis que ma chérie, moi je suis quelqu'un, j'écoute beaucoup mon instinct. Quand mon instinct me dit que pas, ne pas, 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 ne pas, 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 ne pas, 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 ne pas, pas, mieux ne pas, pas. Vous comprenez, non? Même si tu avais déjà programmé. Quand tu es dans pas, ne pas, 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 ne pas, 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 ne pas, pas. Elle me dit que elle avait déjà programmé. Donc que voilà alors. Elle est venue avec sa copine. Sa copine est partie, elle l'a laissée. Sa copine l'a laissée. Elle dit que tout ça, c'était toujours les signes. Il faut apprendre à écouter. Tu restes donc maintenant là. Imagine si on n'était pas là, tu allais faire comment? Moi, je peux me dire que c'est par rapport à moi. Parce que Dieu éternel était à fatiguer le pauvre. La voiture était à blinder. Il y avait encore d'autres personnes encore qui animaient la galerie là. Nos téléphones étaient à décharger. Parce qu'il faut appeler les hits et les machins et tout. Et comme on est resté quand même un bloc de personnes là, franchement, la pauvre s'est retrouvée comme ça là. Elle s'est retrouvée comme ça. J'imagine son calvaire. La qualité là, même le sommet ne vient pas. Et Flor Queen, je lui ai dit ça. Elle doit aller chez elle au pays. C'est une Gabonaise. Elle doit aller chez elle. Maman, elle est venue pour la soirée. Elle arrive, on ramasse tout son sac là comme ça, laver tout dedans. Merde. Je dis que quand tu perds tes clés, 1. Tu perds tes papiers, 2. Ou tu perds même ton sac comme c'est parti là. Il y a des signes qui ne trompent pas. Faut jamais forcer dans la vie. Il y a des signes qui ne trompent pas. Elle me dit qu'il faut aller au commissariat, machin, machin, machin et tout. Non, il faut à tout prix ses papiers parce que machin, machin. Tu veux te justifier par rapport à quoi, ma chérie? Si tu perdais ta vie là, n'est-ce pas, les papiers là allaient rester? Même au pays là, comme tu dois voyager pour aller au pays. Le pays est dangereux, hein? Les gens qui partent au pays là, faut faire attention, faut se comporter, hein? Parce qu'il y a la lame tranchante là-bas, que si vous ne vous comportez pas comme il faut, tu reviens ici la coquille. Quand vous voyez certaines personnes, elles sont là, quelqu'un te provoque pour rien même. Dès que tu vas aller seulement faire, alors qu'on a fini chez elle au pays, c'est toi qui viens porter la malchance là toute ta vie. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Je lui ai dit que fais gaffe. Fais gaffe. On ne s'amuse pas comme ça. Quand on te vole le sac, il y a des choses. Le sac, les papiers, les trucs auxquels, que avec toi, c'est ton corps. Tu comprends? Dès que tu perds ça, c'est des signes. C'est des signes. Déjà, elle est venue avec sa copine. Sa copine l'a abandonnée. Sa copine est partie. Elle s'est retrouvée seule, avec des inconnus. Bon, c'est vrai, on sympathise. On sympathise. Mais bon, après, chacun va rentrer chez lui, hein. Qui va prendre la responsabilité de l'amener chez elle? Et encore, vous allez dormir puisque vous n'allez pas la laisser là. Mais après, vous serez dans la réalité qu'il faut qu'elle rentre. On a cotisé pour elle. Au moins pour qu'après le commissariat, qu'elle puisse prendre le train, aller jusqu'à Rouen. Et arriver à Rouen, là-bas, elle va encore se retrouver dehors. Imagine, tu as envie de chier, tu as envie de pisser, de laver même. Tu te retrouves comme ça, comme une SDF. Tu fais comment? Il y a des gens qui se retiennent souvent dans certaines situations. Ils disent que non, moi je préfère back chez moi. Je vais aller pisser là-bas, je vais aller chier là-bas. Bon, maintenant, dans son cas, elle n'a pas ses papiers. Elle n'a pas les clés de chez elle. Et puis, une sorte de diarrhée t'attrape, un genre là. Vous connaissez le style là. Tu vas aller toquer le voisin. La qualité là, tu fais comment? Tu vas entrer dans un café. Des fois, dans certains cafés, on dit même qu'il faut payer d'abord. Il faut consommer avant d'aller utiliser leur toilette. Et tu te retrouves sur la même ring parce qu'on a volé ton sac. C'est comme ça que tu chies sur toi, hein, sans te rendre compte. Hein.
non pas que ça te rende compte, c'est que le corps lâche. Parce qu'à beau serrer les fesses là et tout ça, là, c'est chaud. Mais c'est des signes qui ne trompent pas. Je lui ai dit, fais gaffe. Soit c'est quelque chose de bizarre qui va t'arriver. Moi, je prends ça comme ça. Vous savez, il faut rendre souvent la vie simple. Il faut la rendre simple. Moi, quand je rentrais à midi, là, j'étais fatiguée. Ce n'est pas la fatigue de l'alcool parce que je n'apprends pas à boire. Ce n'était pas la fatigue de l'alcool. C'était la fatigue 3 jours. Maman, les fesses. Ma fille m'a massé avant de partir hier à la soirée. Mes pieds avaient un gonflé comme ça, Ndim. Parce que je piétine sur place. Je piétine sur place. Je suis debout pour nettoyer les boyaux. Je suis assise pour attacher les misonga. J'ai dit que si mon cul était un petit cul, genre là, comme on dit chez nous, qu'il faut nous bien faire, c'est-à-dire un fang et lent. Il faut nous bien faire et lent. Ou toi, ben, me calme, se me bé. Comme moi, à bip. C'est que mon cul est déjà maigre comme ça là. Parce que la façon que tu t'assois, 700 misonga. Vous vous rendez compte, 700. J'ai encore attaché. Et non seulement ça, j'ai nettoyé les boyaux, 25 kilos de boyaux. Imaginez l'odeur. Mon mari a fui. Ouais. Ça dit que le tout, si tu vas sauf que te démerder avec tes enfants. Moi, je ne suis pas là. Il est revenu aujourd'hui. Il a trouvé la maison nickel. Parce que quand il finit de faire comme ça, vous savez, comme on en était, franchement, pour quelqu'un qui est propre, quand quelqu'un est sale, il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire. Mais pour quelqu'un qui est propre, je prends la peine. Parce que moi-même, j'aime être dans la sérénité. C'est-à-dire qu'il faut que l'endroit soit sain. C'est très important. Il faut que l'endroit soit sain. Ah oui. Donc, j'ai fini de faire le ménage de ça et tout. À 2h du matin, j'ai même bien fait d'arriver à 2h parce que j'étais fatiguée. Et je craignais même déjà que maman, je vais arriver que la soirée est finie. Donc ma fille m'a d'abord bien massé là, bien. J'ai dormi pendant, j'étais relax pendant 30 minutes, 1 heure. J'étais à l'aise. Oui, après je suis allée prendre une bonne douche, j'ai plus le temps. Ma fille m'a maquillée, c'est ma fille qui m'a maquillée, hein, le maquillage que vous avez vu là. C'est elle-même qui m'a maquillée. Dès qu'elle a fini de me maquiller, j'ai pris ma copine, on est parti. Tranquille, tranquillement tranquille. Donc imaginez alors, j'ai dit qu'on faisait l'ambiance avec le Tchakala, Tchakala VIP, la vraie ambiance du Njoka le matin. Oui, les vraies filles d'Ongola, aïe 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 aïe, parce que c'est l'after qui a le goût alors. Pas les trucs de soirée là que tout le monde veut se comporter, tout le monde veut se faire voir et tout ça là. Et tu lapes aussi les filles qui ont les habillements un genre, parce que moi je suis Congo, ça j'aime souvent regarder. Oui, j'aime souvent regarder. Tu es là et tout coincé dans ta robe. La chaleur te tue même intérieurement. Même. Tu portes une longue robe et tout ça. Là, si tu veux faire pipi, alors, puisque tu viens pour consommer. Donc, à un moment donné, il faut vider, n'est-ce pas? Tu te retrouves donc alors avec une robe que pour soulever, pour soulever ça, tu vas faire comment? Tu bagarres avec toi-même. Et les pipi partout et tout. Massa, tu attrapes donc ta robe, tu accroches ici là. Tu commences à porter ça comme le sac à main. Tu tiens ça comme ça. Tu tiens la robe comme le sac à main. Ça sert à quoi pour venir nous montrer ça? Péter même, tu n'arrives pas à péter. Danser même, tu n'arrives pas à danser. Tu fais seulement là sur place comme ça. Tu es seulement là comme ça. Mon frère, quand on dit qu'on sort pour s'amuser, comme la soirée là, il faut danser. Apprenez un peu souvent à vous relaxer. S'il y a moyen de péter, péter. Ne restez pas crispé là et tout ça là. Non, ce n'est pas bien. Attendez. Que. J'étais à l'aise dans ma petite robe tranquille là. J'ai gambadé même. À un moment donné, mes chaussures même ont commencé à me faire mal. Moi, j'ai enlevé. Oh. J'ai mis mes ballerines là. Et quand vous partez souvent à la fête, la fille là, la fille dont je vous parlais là, elle est partie avec mes babouchés. Non seulement j'avais les babouches, j'avais les ballerines que j'ai mis dans le sac. Parce que ça ne sert à rien que tu vas prendre une petite, une pochette, n'est-ce pas?
dans la pochette, les babouches ne peuvent pas entrer, sauf si quelqu'un nous invente le genre de babouche qui se plie. Comme on fait déjà les ballerines. Il y a des ballerines maintenant, ça vient dans une petite pochette comme ça, là. Ça se déplie quand tu sors ça. Hein? Mais c'est pliable. Donc, même dans la pochette, tu peux mettre dedans que quand ça te sert un genre fort, fort, là, n'est-ce pas, tu portes seulement. Hein? Mais d'autres se sont retrouvés. Et qui est un problème. La fille est partie avec mes babouches. Heureusement que j'avais les ballerines. L'air va exploser un jour dans le ventre de quelqu'un. Elle dit qu'elle est partie avec mes babouches. Parce qu'à un moment donné, comme elle était là en train de chercher son sac, moi je ne calculais même pas, je ne savais même pas. Nous, on était dans l'ambiance avec les tchakalas et tout ça. Là, on dansait. Aidez-moi, oh, comment le lui avouer. J'ai dit que le désordre de ça, elle vient seulement pieds nus. J'ai dit que même les chaussures aussi, on t'a volé, maman. Ça fait quoi? Mais je ne me moque pas, j'avais pitié d'elle, je ne vous manque pas. Oh. Faut pas être coincé dans la vie. Faut pas être coincé. Faut être à l'aise. C'est très important. Il faut remarquer que il y a les moments parce que comme on est des Africains, on est des Noirs, on se connaît. On n'est pas comme les Whites parce que le White lui s'en fout. Le White lui peut même venir en basket parce qu'il faut qu'il soit à l'aise dans ses chaussures. Vous voyez non? Si lui dit qu'il met son bermuda là, comme il fait chaud. Lui, il vient. L'essentiel, c'est d'être à l'aise. Hein? Mais nous, on va aller se coincer avec les talons qui sont que tu vois comment à un moment donné, tu commences à marcher et nobo. Parce que le talon te fait déjà mal. Tu as fait 3 heures, 4 heures de temps. Oh, comme ça, là, sur les talons. Mon frère, descends sur tes talons là. Descends de là. Prends tes babouches, tu viens avec. Tu essaies de garer quelque part. À un moment donné, tac, tu prends tes babouches, tu portes. Tu seras à l'aise. Puisqu'on t'a déjà arrivé. Et il y a les temps forts de la soirée. C'est que quand tu arrives, il faut qu'on voit. Lui, on doit te voir. Comment tu es habillée, comment tu es belle, comment on apprécie les photos de ça. Oui. Mais à un moment donné, mon frère, mets les babouches, ne force pas. Ou alors vous les voyez là, avec les talons, le pied déjà gonflé. C'est-à-dire que ça dépasse, c'est-à-dire que le pied déforme même déjà le talon. Tu vois les bosses comme ça, de gauche à droite et tout. Ou alors tu mets une chaussure où tu es à l'aise, tranquille. Je dis qu'il y a un... Maman, moi-même, j'adore le Congo. Ça, je regarde souvent ça. Pourquoi? Parce que je suis à l'aise, je suis bien. Donc, ça fait que s'il y a une chanson là qui passe, tu es contente et tout. Tu as envie de danser. Donc, tu sens comment ton cœur te dit que va danser. Mais la chaussure est en train de te tuer les pieds, l'orteil. Si ça arrive encore qu'il y a le corps sur ça. Si ça arrive encore qu'il y a le corps sur ça. Tu dis que non, parce qu'il faut faire bonne figure et tout ça là, machin, tu es telle et tout. Maman, tu souffres sur place. Le genre qui est que tu as seulement envie de vite rentrer. Tu fais genre, oui, c'est ça que tu es en train de rentrer et tout ça là. Hein? Tu es en train de rentrer, alors que tu vas encore rester. Mais comme la chaussure te fait mal, tu dis seulement que non, tu bacs. Ou alors tu deviens même nerveuse dans la soirée là. Tu deviens très nerveuse même. On ne sait pas pourquoi tu es énervée alors que les gens sont venus dans la joie. La musique passe, mets-toi à l'aise et tout ça là. C'est parce que la chaussure te sert déjà. Alors quand vous voyez qu'il y a des gens comme ça qui ne se prennent pas la tête. Comme elle a oublié ses babouches, elle n'a pas pu les prendre. Mon frère, elle marche pieds nus. C'est comme ça. Marche pieds nus. Je dis que la pauvre, elle est partie avec mes babouches. J'avais mes ballerines. En salle là, quand je n'avais pas les sacs plastiques, j'ai mis mes chaussures à côté en bas. Tranquille. Je suis rentrée avec mes chaussures. Oui, dès que ça sert, moi je me prends par la tête. Tu vas venir dire que ah, tata doudou, machin. Parce que je sais me poser. Je sais être présentable. Je sais être propre.
Franchement, moi, je n'ai pas besoin souvent de mettre. C'est pas mon style, en fait. Vous voyez, c'est pas mon style. Mais c'est selon les occasions quand il faut se poser. Quand il faut se poser, le truc, c'est d'être à l'aise et propre et présentable. Donc, tu es classe. Et quand il fait chaud, n'allez pas vous encombrer avec les habits qui vont vous faire en sorte que vous transpirez encore. Vous me posez la question que, hé, Seigneur, comment? Non. En tout cas, moi, j'ai bien joué, c'est ça. Pour danser, j'ai dansé bien même. Me dit correctement et bien, mais c'est maman Katino qui m'a enlevé le goût de faire le show avec elle. Là. Maman, je me suis retrouvée en train de prendre son argent. Mais elle a pointé en plus. Hein. Pas mes moyens même de prendre même un peu un genre là. Mais ça, c'est pour blaguer parce que elle, quand quelqu'un ramasse son argent, c'est une question de confiance. Même si je pars avec, elle va me faire quoi. Je suis sa fille. Oui. Elle a terriblement pointé, laisse tomber. Elle connaît faire son show, hein. La matelle n'est pas finie. Hein. Vous avez vu les coups de rein qu'elle a sorti là. Katino danse encore, elle est encore dedans. Hein. Elle connaît le show. Ha. La salle était debout. Après, elle m'a dit encore aux gens, asseyez-vous, asseyez-vous. Je vais arriver où vous êtes là-bas. Asseyez-vous, laissez la place. Oui, parce qu'elle aime aller partout. Elle aime aller partout. Il faut se mettre à l'aise. Comment? Elle a mis le show hier. Sergio Polo aussi, il a mis le show. C'est quelqu'un de simple. Hein? Il est très simple. Il n'est pas gonflé. Comme certains artistes, des fois, tu les vois là, tu te demandes même que c'est comment. Il est très simple. Sergio Polo. Ils ont mis le show là-bas hier. Même papa, là, Olivier de Clovis, là. Maman, on met comme le papa là, il est venu, il a chanté là, tous les bassins étaient debout. Moi-même, je suis aussi allé danser, j'ai fait partie du Cameroun, non, Pian. Le Ben Tikin, je n'ai pas dansé parce que j'étais dehors, tellement il faisait chaud. Inal Mitosta, ça va. Ma faux citoyen, tu confirmes, Solange, je quitte. Tata Dodo, ton live était plus indolent que pour GPR. GPR, c'est ça, a fait le live. Hein. Mais oui, on est de la famille, non? Tata Dodo, j'ai un problème. C'est quoi ton problème, Nyango Nyas? C'est quoi ton problème, Nyango Nyas? Expose ton problème, Nyango Nyas. Nous tous, on est là, on voit. Moi, comme j'ai fini de manger, là, je bois ma bière. Non? Maintenant, je prends déjà, on appelle ça le dessert. C'est ça, mon dessert. Vous devez tous nous connecter. Je déguste alors la bière, là, jusqu'à maman. Sang. Ouais. Maman. Maman, la vie, si. Non, c'est pas grave. Je vais dormir un peu. Il est même quelle heure? Il est quelle heure? 23h. Je vais dormir là jusqu'à 1h30. Je me lave. Je ressors. Oui. La reine Galois s'est déplacée. Elle est venue. Franchement, cette fille-là, elle est courageuse. Je l'aime beaucoup, je l'apprécie beaucoup. Comme on dit souvent que on s'est connu sur la toile. Non, je ne peux pas gâter ma bouche avec les yaourts et tout ça. Là. Je ne suis pas là-dedans. Cette fille-là, elle est vraiment courageuse. Vivre sa situation, c'est pas évident parce qu'elle est seule avec ses enfants. Et moi, je dis toujours qu'il faut savoir s'amuser, il faut savoir profiter de la vie. Elle est venue pour s'amuser. Elle sait qu'elle est venue rencontrer d'autres personnes dont on est déjà une famille. Hein? Donc, on s'est retrouvés hier. Certes, elle était à l'hôtel.
Mais comme elle est partie avec la morve ce matin, normalement, j'aurais pu la prendre pour venir chez moi et tout ça là. Qu'on passe encore un petit week-end tranquille là. Là, elle ne se sent pas abandonnée. Ok, Nyango Nias, c'est un petit problème, c'est rien. C'est rien. Je vais lui en parler. Donc, on va se retrouver tout à l'heure encore à Paris. Maman, je vais démarrer ma voiture. C'est juste un dégât matériel. Et comme j'étais fatiguée et j'avais consommé, donc, vous voyez que avec les embouteillages là, il y a eu les embouteillages et le soleil tapait. Donc j'ai dormi un peu en volant là, que les quelques secondes qu'on dit souvent là que le pire peut arriver. Et heureusement qu'il y avait, la voiture là devant. Moi j'ai dit Dieu merci, il m'a épargné. Hein. Parce que jusque là même j'ai eu des difficultés pour rentrer. Moi je suis une dure à cuire, l'alcool ne me dit rien, c'est pas un problème. Mais j'ai eu la chance que cette voiture était devant. Donc je lui ai fait du rentre dedans. Ma voiture a eu quelques petits dégâts là et tout. Donc on s'est arrêté et on va arranger ça. On s'est donné rendez-vous pour faire le constat. Parce qu'il lui a dit qu'il ne faut même pas que la police arrive là, mon frère. C'est que tu vas encore finir ma vie. Je vais faire comment? Donc comme elle est venue, la PDG canadienne, elle est aussi là. On va encore se retrouver à Paris. Maman, le goût de ça, oui. Pour profiter dans la vie. Moi, je profite bien, même bien. Je profite bien, je vais dormir un peu là. J'ai dormi un peu dans la journée là. Nicolas est parti avec son père. Chacun fait sa vie. C'est comme ça à un moment donné. Donc, je vais aller là. Je vais aller m'apprêter. On va se retrouver à Paris. Il faut qu'elle sente l'amour. Quand j'ai vu l'après qu'elle était déjà avec Dieu éternel, j'ai dit merci. Mais ce n'est pas la nourriture des restaurants. Parce que c'est une vie de famille qu'elle a besoin. Elle veut ressentir vraiment cette approche familiale-là. Et j'ai culpabilisé un peu. Sauf que moi, je ne savais pas que les programmes n'étaient pas comme ça. Oui, la soirée de Dieu éternel. Moi, j'ai apprécié. Hein. Vous savez, quand quelqu'un organise, hein, il ne faut pas seulement regarder les aléas. Parce qu'il y en aura toujours. Quand quelqu'un organise, il faut savoir, il faut se dire que c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail parce que quand vous regardez tous ces paramètres-là, il faut gérer la boisson, il faut gérer, quand on programme, hein, il faut gérer la boisson, il faut gérer le manger, les brochettes et les misunga comme j'ai eu à faire là. Il faut gérer la décoration, il faut gérer le DJ, il faut gérer les musiciens, les artistes comme ils étaient là. Et il faut gérer maintenant le monde qui va arriver. Et tout ça, le regard est sur lui. Hein. Parce que ça ne sera pas la soirée de Tata Doudou. Hein. C'est la soirée de Dieu éternel. Et le pauvre, il a mis le paquet. Vous avez vu la pub qu'il a eu à faire. Donc pour que ça arrive là, c'est dommage. Parce que pour réussir une soirée, hein, il faut qu'elle soit consommée. Il faut qu'il y ait la consommation. Et la consommation. Les gens viennent là, ce n'est pas pour venir boire l'eau. Hein. Moi, en tout cas, quand je parle, je suis musulmane. Bien, je me tellement pas musulmane. Moi, je ne suis pas musulmane. Quand on sort pour s'amuser, c'est qu'il y a les alcools là-bas. C'est comme ça. Il y a les alcools là-bas. Donc, on ne peut pas arriver là, vous commencez à me parler que l'eau a fait, que l'eau a fait, que et je reste assise. Et heureusement même que je suis arrivée vers 2h. Quand la mère, elle aussi, elle est arrivée et tout, on est entré ensemble, on est allé s'asseoir. On est parti retrouver que la reine galloise avait déjà bombardé 4 bouteilles d'eau. J'ai dit que maman, mais tu es déjà fatiguée, c'est l'eau-là qui te fatigue comme ça. Alvin, tata, tu m'as donné envie de sortir prendre un dessert. Ah oui, n'est-ce pas? Le goût de ça. On se comprend, chérie. Tata Doudou, en parlant de mon cas, attends, donne-lui les cœurs. Si... Oui, je vais lui donner les cœurs. Il va te débloquer. Il va te débloquer. Franchement, on était à l'aise. La salle était bien grande. Donc, ce n'est pas évident. C'est pas évident, franchement. C'est pas évident. Les gens viennent pour s'amuser.
Les gens viennent pour s'amuser. Alors, quand les gens viennent pour s'amuser et tout, bon, peut-être on va pas mettre la faute sur la fille. Il faut toujours accorder le bénéfice du doute à qui que ce soit. Il faut toujours accorder le bénéfice du doute. Parce que c'est vrai qu'il a mis de l'argent. Donc, il ne peut pas accepter. Il va seulement se dire que oui, c'est le sabotage. Vous voyez, non? Il va souvent se dire que... On cherche toujours la facilité puisqu'il faut toujours accuser quelqu'un. Mais ça se trouve, la fille elle-même, elle s'est vraiment retrouvée dans la merde. Elle ne pouvait pas aller partout. Parce que figurez-vous que vers 2 heures quand on est arrivé, on a encore poireté la même demi-heure. C'est-à-dire on cherchait vraiment qu'on fait comment. Comment on se retrouve comme ça sans boire. Donc finalement la boisson est arrivée. On a commencé à boire. Et on voulait encore. Et c'est là où il y avait déjà des gens disponibles. Sauf qu'il y a l'heure aussi. Il y a l'heure. Il y a une certaine heure où la boisson passe avec l'ambiance et tout. Et il y a une autre heure où les gens cherchent maintenant à cuver parce qu'ils ont besoin de force pour rentrer. Et c'est ça qui était déjà passé. Le pauvre s'est retrouvé à retourner avec un coffre-fort plein. Hein? Comment il retourne avec un coffre-fort plein alors que la boisson était prévue pour la fête? Mon frère, je suis rentré avec l'argent que j'avais envie de boire avec. Hmm? Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on dit toujours que quand il y a une chose comme ça, là, il faut toujours relativiser. On va mieux faire la prochaine fois. Parce que ça va lui permettre maintenant de tenir en compte tout ce qui a été comme aléa. Et il va mieux faire la prochaine fois. Il va mieux faire la prochaine fois. C'est vrai. Mais ce qui est là, le coup derrière, les promoteurs de soirée là. Moi, vous dis chapeau. Hein. Franchement. Vous dis chapeau. Vraiment, je dis souvent que c'est par amour. Parce que là où c'est déjà compliqué là. Oui, c'est... Tout à fait. Tout à fait. Moi, je vais dormir encore un peu là. Et puis après, moi, je vais aller retrouver les autres enfants. On apprend toujours. Solange, je vais te dire quelque chose. Hein. Je vais te dire quelque chose, Solange. Vous avez vu le 10 mars hein? Il y a eu aussi un problème pareil. Et le libéral, le commandant de bord, notre journaliste adoré, comment tu vas, frangin? Sans te calculer comment, essaie de m'amuser. Ah oui. Il faut faire vraiment la cagnotte pour Dieu éternel parce que je suis d'accord avec ça. Vous savez, c'est parti déjà pour un but. C'est pour les enfants. C'est pour cette soirée. C'est pour ça qu'il a fait cette soirée-là. C'est pour les enfants. Il est parti au Cameroun. Il faut encourager les efforts que quelqu'un fait. C'est ce que je voulais dire là pour la personne qui m'a posé la question là. L'année dernière, j'ai eu un cas pareil. Pas l'année dernière. Là, le 10 mars dernier là. Vous avez vu la soirée de Christelle Couture. Elle m'a pris pour représenter dans sa soirée. Elle m'a pris comme traiteur. Bon, maintenant, il y avait la commande. J'avais fait beaucoup de choses quand même. Elle m'a confié. Et elle m'avait donné une certaine heure. Elle m'a même donné le protocole. C'est-à-dire qu'elle voulait faire un buffet de 21h à minuit. C'est-à-dire qu'elle offrait ce buffet-là. Après minuit, ça passe à la vente. Parce que quand ils dépensent comme ça, il faut bien aussi couvrir les frais derrière. Non, je ne vais pas l'oublier, chérie. Il faut couvrir aussi. Il faut revenir dans sa... Ça, il faut dans sa rentabilité, vous voyez. Donc, moi, je me suis dit, le repas était déjà prêt. Et comme j'allais pour la soirée, autant mieux m'habiller une fois. Parce que moi, je suis en banlieue parisienne. Et la soirée se passe à Paris. Donc, imaginez un samedi. Il y a du monde. Hein? Donc, c'était un peu... Moi, dans ma tête, de mon côté, je me suis dit, puisque je vais à la soirée, je vais m'apprêter une fois, je vais avec mon mari, on s'apprête une fois, et on monte avec la bouffe, vous voyez. Et je me suis dit aussi que je connais souvent les soirées parisiennes, parce que ça commence souvent tard. Donc, on aura le temps.
Et comme c'était la journée de la femme, et il faut se dire aussi que Paris fonctionne, qu'il y a les restaurants qui sont ouverts jusqu'à 2 heures du matin. Donc, la mentalité camerounaise, nous les Noirs, quand on donne une heure, c'est-à-dire 20 heures, nous on ne connaît pas respecter l'heure. On ne connaît pas ça. Nous on connaît seulement que si on dit 20 heures là, c'est 23 heures ou minuit. Hein? 23 heures ou minuit. Et effectivement, c'est ce qui s'était passé. Donc, moi je me suis dit, bon voilà, je vais monter et tout, j'arrive à 23 heures. Donc, vous voyez, j'avais déjà tué son temps. Entre-temps, il y avait d'autres personnes qui devaient aussi la livrer. Il y avait d'autres personnes qui devaient la livrer aussi. Et je suis arrivée en même temps que le monsieur qui devait ramener la boisson. Donc, il faut se dire que les gens, c'est vrai qu'il faut grignoter, mais les gens viennent au départ pour consommer. On est d'accord. Elle s'est retrouvée jusqu'à 23 heures. Elle n'avait toujours pas sa boisson. Les gens vont boire quoi? Ils viennent, ils s'asseyent. Et la salle commençait déjà à se remplir. Vous voyez, les gens arrivaient déjà au fur et à mesure et tout. Donc, quand on va installer les gens, c'est qui est. Quand ils commandent, il faut qu'il y ait la boisson et tout. Donc, elle m'appelle, elle est stressée. Elle voit que 20 heures que je devrais livrer, je ne suis pas encore là. 21 heures, je ne suis pas encore là. 22 heures, elle a pété un câble. Pourtant, elle m'adore, elle me respecte et tout. Vous voyez, c'est souvent très délicat. C'est souvent très, très délicat, les choses comme ça. Parce que chacun est de son côté avec ses a priori et tout. Or, quand tu vas pour prester, il faut respecter l'heure. Et comme moi, c'était la première fois, elle m'avait confié. Donc, je me suis dit, je vais me calmer, c'est normal, elle a raison. Elle a fait un programme pour sa soirée et tout. Et je n'ai pas respecté l'heure. Je me suis excusée et tout. Mais ça l'a pris aussi en retard. Donc, j'ai pris ça en note. J'ai dit que non. Je vais faire un effort la prochaine fois. Donc, vous voyez, pour la soirée de Dieu éternel, là. 19h, c'était déjà là-bas le Misonga. Hey, wonderful, pour parler. Maman, 19h, le Misonga était déjà là-bas. Donc, ça fait que c'est pour ça que les gens, quand ils arrivaient, et la plupart venaient, ils savaient que Tata Doudou, son Misonga était là-bas. Puisque j'ai fait la pub aussi. Donc, il fallait que le Misonga soit déjà là-bas. Ça fait que quand quelqu'un voulait commander le Misonga, comme lui-même, il a fini de séparer. Moi, j'ai livré. Et lui-même, il a scindé comment vendre son Misonga. Ça ne me regardait plus. Ce n'était plus. Moi, j'avais déjà fait ma livraison. Maintenant, s'il veut qu'il, même s'il vend un Misonga à 10 euros, ça l'engageait. Moi, j'avais déjà rempli ma part de responsabilité. J'ai dit que 19h, le Misonga était déjà là-bas. Et comme j'ai mes enfants adorables et tout ça, ils ont vu eux-mêmes que j'étais fatiguée parce que je ne pouvais pas faire à manger. Hein? J'ai fini de faire à manger comme ça. Après, je prends encore, je m'en vais livrer. Non. J'ai un grand garçon. Il a dit que non, il n'y a pas de souci, maman. C'est comme ça qu'il est parti. Il a pris ses frères. Ils ont fait des livraisons tranquillement. Ils sont arrivés, hein. Ah oui, 19h, j'étais déjà là-bas, j'ai dit que non, ça ne doit pas m'arriver comme ça s'est passé avec Christelle. Malheureusement, elle m'avait fait confiance, ça s'est passé comme ça. Et c'est des petites choses comme ça là qui foutent souvent le programme d'une soirée en l'air. Et c'est comme ça aussi que ta réputation peut très mal partir, comme quoi, vous voyez, c'est chaud. C'est chaud. Donc si ça ne se passait pas bien, et que je me disais que j'arrive aussi vers 2 heures du matin là et tout ça, là, les gens auront faim. Il n'allait pas être dans sa rentabilité. Moi, je suis contente parce que tout le Misonga est fini. Le Misonga est fini. J'ai même commencé à regretter. Et vraiment, quand tu ne connais pas le commerce, quand tu ne connais pas le commerce, l'affaire, c'est. J'aurais dû faire une autre mamie de Misonga à côté. Maman, les gens ont commencé à me demander le Misonga. Je leur ai dit que est-ce que c'est moi qui vendais le Misonga? Le Misonga demandait à Dieu éternel. Ce n'est plus moi. Le Misonga est fini. Les gens avaient faim le matin. Ils avaient faim. Je dis que waouh, si j'avais alors le Misonga là. N'est-ce pas? Regarde comment j'allais encore rentrer avec l'argent. Mais Dieu sait comment il fait ces choses. Je vais aller loin avec le Misonga là. La révolution.
Ce n'est pas donné à tout le monde que tu viens t'asseoir, tu dis que tu laves le misonga. Il faut me respecter. Hein. Je vous dis ça. J'ai dit qu'il faut me respecter. Je ne blague pas avec vous. Il faut me respecter. Hein. Laver le misonga là comme ça là. Hein? Laver comme je lave là. Les boyaux avec les tripes là. Maman, si on t'insulte que boyaux, il faut taper la personne là. Parce que tu es le caca. Oh, putain. Le morateau a tel ou ne boyau. Hmm? Il faut me respecter. Tu transformes le boyau, tu transformes la tripe, quelque chose qu'on fait. Rien que l'odeur, même quand c'est chez le boucher, l'odeur même de votre accueil. Hein? Combien de fois, quand tu rentres avec la maison, il faut vite nettoyer ça. Hein? Tu nettoies ça correctement et bien. Après, tu t'assois, alors tu attaches. Tu prends un là-bas, tu prends l'autre là-bas. Tu fais des formes. Le genre qui est beau à voir, comme je fais souvent la présentation là. Et quand tu manges ça, on te dit que c'est le caca, il n'y a plus d'odeur. J'ai dit qu'il faut me respecter. Respectez-moi. Parce que le misonga là, ça va aller loin. Oui. Ça va aller loin. Respectez le misonga là. Comment? De ben? Mettez-moi les cœurs. Quoi? Oh. Jusqu'à tu fais ça costaud comme ça là. Le misonga est comme le coup de poing, comme ça là. Bien ferme et tout. Et bien moelleux. Je dis que même j'étais contente. Et je faisais aussi ma belle. Tata doudou, le misonga. Oh là là. J'ai dit, ah oui, merci. 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 Non, tu es forte. Le misonga. Et vous appréciez seulement quand c'est déjà prêt. Vous appréciez seulement quand c'est bon dans la bouche. Pensez souvent aussi comment je nettoie. Donc, c'est pour ça qu'il dit qu'il faut me respecter. Moi, je ne blague pas avec vous. Oh. La tour de contrôle du ventre. Oui, mettez-moi les cœurs. J'ai dit qu'il faut me respecter. Comment? Ici, en Bing. Tata de devant les Minsunga. 20 ans en Bing pour venir finir dans les Minsunga. Mouf! Viens faire ta part. Viens faire ta part. Je bois ma chose. Hé, hey, René. Ouais, une petite Guinness, un Jean-Jean, là. Ok. Il dit que le Misunga comme le coup de poing. Hmm. Le Misunga est devenu international. Oh. Katadioro. Maman, à ça, Tata de Doumbé, ici à Paris. Allez parler vos choses là-bas. Il dit qu'il faut respecter. Il faut me respecter. Parce que ici, là, tout le monde ne peut pas faire ça. Et il faut dissimuler ces odeurs-là. Parce que là, je suis en appartement. Hein. J'ai des voisins. Donc, imaginez un peu. Et il faut vite faire. Parce que comme c'est l'été, avec la chaleur, il y a les mouches et tout ça là. Et les mouches adorent ça. Et... Donc, il faut faire en sorte que tu joues avec les mouches pour éviter que tout ça ne vienne rester, n'est-ce pas? Je dis qu'il faut me respecter. Respectez-moi, respectez mon misunga, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Tata Doudou est la seule. Tata Doudou est là. J'ai dit que le misunga là, même au Cameroun, quand vous partez manger le misunga là-bas, il faut toujours dire que ce n'est pas comme celui de Tata Doudou. Maman, il y a un gars qui me dit que, hé, hey, Tata Doudou. Comment c'est bon comme ça, Tata? Ça dépasse même celui du pays. Ah bon? Il dit ça. Quand t'as dit au sorcellerie, pourquoi la sorcellerie? Quelqu'un va revendre, c'est son problème. Moi, je fais en gros. Je fais en gros, je fais la marmite. Voilà. Et maintenant, s'il veut avoir son bénéfice derrière, c'est normal. Il y a les gens qui ont mangé ça hier. Ils étaient même contents d'acheter les quatre. Parler de quoi? Les tripes, ça prend énormément. Ah oui, ça prend le temps. Pas les misonga javelisés qu'on a ici. Ah voilà. C'est pas le genre qui est déjà tout propre, blanc, blanc, blanc là. Ah ça. Pour manger ton misonga là un jour. Bagangata, il fallait venir à la soirée. Non? Tata Doudou. Comment ça part déjà vite comme ça? J'ai fait le misonga hier. C'est bien ça.
Tata Doudou, il n'y a personne qui livre le misongo au pays. Laissez-moi arranger. Vous croyez que c'est facile? Mettre une structure en place. Parce que moi, je veux faire de mon entreprise une entreprise familiale. Vous savez, le genre qui dure là, des décennies et décennies. Oui. La famille Choukoun dans les Misonga, j'accepte. Tata de 20 ans en face, elle vient vendre les Misonga. Vous voulez que je vende quoi? C'est ma part de piment là-bas. C'est mon piment que je vends en Bén. C'est ça mon piment. Ah oui. Et je suis fière de vendre ce piment-là. Je suis fière de nettoyer ça, ce piment-là. Bon, c'est donné à n'importe qui. Si tu n'es pas capable, tu ne peux pas vendre la qualité de piment là. Hé! Je vais parler, tata de. Vous venez me faire le moustique à l'oreille. Tata de. Je vends mon piment. Mon piment est le vrai piment. Le piment qui est efficace. Un vrai piment efficace. C'est mon caviar là-bas. Oh, sucré, ndolé, minko, isis, pian, le goût de ça. Ça a pris. Florence Mendouga. Waya Oulou, beau père de moi. Gros bisous. Tata Doudou, je suis au Cameroun, je ne suis pas en Europe. Ah, d'accord. Attends, alors quand je vais revenir là-bas, ma chérie. Ah oui, Tata. Ah frère, un songo wama. Un songo Tata Doudou. J'ai dit que au nom de Allah, comme le Misonga là est déjà devenu international, hein, parce qu'il y a le Misonga et Misonga. Le Misonga que vous allez manger maintenant au pays, j'ai dit que au nom de Allah, dès que tu dis ce manque, tu vois ce mal là-bas. Misonga, viens. Tu vas savoir penser à moi. Si tu n'as pas envie de sortir dans la bouche, surtout les détracteurs là. Parce que celui qui aime, qui m'aime, va se demander que, eh, Misonga mi tata de doué. Ouais, le Misonga de tata de doué. J'ai dit que c'est bon jusqu'à. Mais c'est le détracteur qui va appeler que viens ici là. Mais il ne va pas sortir ça de sa bouche que tata de doué. Mais c'est dans sa tête qu'il va penser à moi. Donc au nom de Allah. Le goût de ça. Détracteur ou pas détracteur, ça veut. C'est sauf que gogo. Vous allez entendre. Bia va sortir ça. Vous connaissez le petit patin là. Vous allez entendre sortir ça de sa bouche. Parce que c'est lui qui est notre patron là-bas. C'est notre père, c'est notre grand-père au pays. Quand il a dit, c'est que c'est comme ça. Quand il a dit, va seulement sortir le goût de ça. Aïe aïe aïe, donc mes chéris, j'ai fini de manger, vous voyez, non? Donc j'ai digéré avec vous, j'ai passé le temps et tout le goût de ça. Je vais dormir un peu là. À 1h30, je me réveille. C'est là où les oiseaux de nuit se réveillent. Les chagris. Miaou. J'ai fini de me laver. Je m'avais retrouvé ma galloise. Je m'avais retrouvé ma galactique. Ah oui, c'est tout à fait normal. Quand quelqu'un s'est déplacé de loin, faites aussi l'effort. Elle peut comprendre que oui, tu es fatigué et tout. Mais il faut lui montrer aussi que tu peux aussi faire un effort. Ah, c'est comme ça. Vraiment, les Canadiens là, bravo, chapeau. J'ai seulement appris que vous étiez là. Moi, je pensais que quand on parlait des Canadiens, c'était juste la table de la galactique. Alors qu'il y avait encore les abeilles baumaillées dans la salle qui sont venues. Les Canadiens se sont déplacés pour venir à la soirée. Maman, la solidarité de ça. Pian. Quand je serai au Canada là-bas, je dis que même si le Nganda là est ouf, parce que moi, ils ne viennent pas là pour venir regarder vos immeubles. J'en ai rien à foutre. Les immeubles, c'est un nouvel immeuble qu'on n'a pas encore vu. Maman, j'ai vu les immeubles là jusqu'à dans les photos. Si elle veut voir les immeubles, c'est sur les photos. Je m'assois, je tape Google, immeuble, ça va me sortir ça. Mais pas que j'arrive au Canada là-bas, je m'en vais encore m'enfermer dans la maison. Je vais vous cogner. Il va faire les directs minute par minute. Minute par minute, vous allez sauf que me sortir. Vous allez sauf que me sortir. Wanda, comment?
quand il vient au Canada, je viens m'asseoir à la maison et commence à faire les vidéos que je suis au Canada. Non, vous dites que vous m'aimez là. Moi, je ne suis pas compliquée. Achetez-moi la canadienne. Maman tape les divers. On tape les divers. Là où il y a l'ambiance, l'indjoka, on jean là. On parle, on tombe, sauf que là-bas. On tombe. Merde alors. Qui est dans, la, dans les machins, genre. Je suis, là, je suis en short même. Hein? Je suis en short. Vous me parlez de quoi? J'enfile mon cabas. Là où il faut aller, genre, vous me dites, je m'habille propre, on part. Je ne dors pas. Je vais venir dormir quand il va arriver ici à Paris. Parce que mes problèmes vont venir me retrouver encore ici à Paris. Mais quand il va là-bas au Canada, que vous m'invitez, hein? Vous m'invitez, je viens encore dormir et ronfler. Ça a commencé comment? Je viens faire le pompier là-bas. Je connais déjà quand même, il y a certaines personnes, il y a les FP qui sont là-bas au Canada, surtout à Montréal là. Je vous ai, je dis que je vais vous biper dans vos messengers là. Je vais vous saouler avec que je suis déjà là. Je suis, merde alors. Là, en tout cas de ça. Partout, il y a les petits coins là. En dehors de notre soirée le 28 là. Partout là. Mof, Zemen. Je viens et puis je repars comme ça. Pour venir dire seulement, j'ai été au Canada et puis tu ne t'amuses pas. Minalmi, je vais vous saouler là-bas. Maman, le goût de ça, la vie de ça. J'étais à l'aise dans mon petit robe hier. Eh, vraiment. Ouais, ok. Je m'avais retrouvé ma galloise, pardon. Ma soeur vient de Londres. Elle est venue pour s'amuser. Ah oui, donc il faut qu'on lui offre ça quand même. Hihon, hihon, les pompiers. C'est la guinde. Si tu viens avec le Misonga, je te suis. Je viens faire le Misonga sur place. Ne vous inquiétez pas, j'ai appris les renseignements. Je viens faire le Misonga sur place. Ah oui. Vous devrez manger ça. Priez seulement que quand je vais amener mon secret là, qu'on ne vienne pas m'attraper ça à l'aéroport. Parce que, comme eux pour tout, c'est la drogue, la drogue, la drogue. La drogue est marron. Non, la drogue n'est pas marron. S'il faut chop, ça, il va chop. Mais ils vont voir que ça ne saoule pas. Ça ne nous donne pas. Oh ouais, ça ne fait pas aboyer. Vous voyez, non. Ça ne fait pas aboyer, non. C'est quelque chose qui donne le mounyengue. C'est comme ça. Après, sur place, moi, je peux me débrouiller puisque je touche déjà la matière première. Ça ne me surprend pas. Même si on coupe l'abattoir, je suis là. Je dis que donner. Donner. Mais nettoyer ça. Quand ça va arriver que vous mangez. Je dis qu'elle veut venir vous en. Montréal. Ensemble. 2 semaines au Canada. Maman, le goût de ça, je ne fais pas dormir. J'ai dit que vous tous là qui êtes au Canada, je vous connais déjà. Même les villes voisines là, 4 heures de temps et tout. Vous allez, sauf qu'à arriver, vous allez souffrir pour Tata Doudou. Parce que ce n'est pas les histoires qu'on se voit seulement comme ça là sur la toile. Ah oui, oui, Ange Mireille, on est déjà une famille. C'est ce que je lui ai dit. Sincèrement, j'ai beaucoup culpabilisé parce que moi, je suis quelqu'un qui est famille. Hein? Je suis quelqu'un qui est famille. Et là, la maison est calme parce que je vais profiter. Après vous, là, j'éteins tout, je ferme les portes. Mon fils, lui, il fait sa vie. Hein? Je vais dormir. Je dors tranquille. Et je vais me réveiller, je vais faire un effort. Même si je suis fatiguée, vous connaissez le style là, non? Même si je suis fatiguée, je vais quand même me lever. Le petit accident que j'ai eu ce matin, c'était juste la fatigue. Et là, je vais récupérer parce que j'ai quand même dormi dans la journée. J'ai quand même dormi dans la journée. Donc, là, je vais quand même faire un effort. On part, on se retrouve à Paris, là. Elle sera séduite éternelle. C'est plus facile parce que demain, comme elle rentre, elle va aller à l'aéroport. Dieu éternel peut me la déposer parce qu'elle aurait même pu venir avec moi ici, mais je suis un peu retirée. Donc, ça fait que ça va encore être compliqué. Il faut qu'elle soit à l'aéroport, qu'elle soit partie. Ou plus tard à midi. Donc, vaut mieux qu'elle soit beaucoup plus rapprochée de l'aéroport que de la prendre chez moi. Puisque c'est un petit court séjour. Mais, elle doit vraiment s'amuser. Lui, il dit que même si tu pas dormi dans l'avion, tu ronfles. Ce sont les hôtesses qui doivent te dire que madame, on a atterri, il faut sortir.
Parce qu'elle va encore l'arrivée, va se retrouver encore avec ses problèmes. Chacun a ses problèmes, hein. Chacun a ses problèmes. Mais quand on a décidé que on doit sortir, on va pour s'amuser. Vous, les gens qui faites souvent que vous dites que vous sortez là, vous allez vous amuser, vous partez pour vous amuser. Après, vous arrivez là-bas, vous êtes coincé du cul. Le cul reste planté là sur la chaise. C'est seulement sur la tête. Est-ce qu'on danse à la tête? C'est le corps qui doit danser. Tu es seulement là comme ça là. Voilà, si tu veux trop bien faire un petit sourire. Quoi? Lève-toi! Tu es venu pour ça. Tu es venu pour ça. Elle-même avait ses problèmes qu'elle a là et tout ça là. C'est le stress parce qu'elle est seule. Elle est seule. Il faut qu'elle ressente que la famille n'est pas seulement sur Facebook comme on est là. Quand on a dit qu'on est une famille, c'est qu'on doit s'accepter. Et on doit se réconforter. Donc, quand on se retrouve comme ça, comme la Mave Galactique est arrivée, hein, la Reine Galloise, elle est là. Ils viennent de loin quand même. Et qui est? On se voit déjà de loin là-bas au Canada. Ouais, le Canada me saoule déjà aussi. On se voit déjà sur Facebook. Et quand on a l'occasion de se rencontrer vis-à-vis, pourquoi ne pas faire des efforts? Ah oui, donc moi, tout à l'heure, là, je vais vous dire merde. Moi, je vais aller dormir. Et après, je vais aller retrouver ma galoise, la galactique, et Dieu éternel, et tous ces gens-là, et tout, voilà. Oui, c'est comme ça. Bon, les cœurs pour moi, pardon, mettez-moi les cœurs, pardon, j'adore ça, les cœurs, j'adore les cœurs. Ah oui, les cœurs, les cœurs rouges, les cœurs, parce que moi, je suis un cœur. Je dis que ça veut vraiment du bien, comme j'étais avec Mini Mino et Nivakin, vraiment, oh, c'est vrai, hein. Parfois, on dit souvent que ce sont les moyens. Pourquoi quelqu'un ne peut même pas nous produire? On nous ouvre un peu un loft. On vit, nous, tous un peu là-dedans, comme ça passait avant que Love Story. Hein? Vous avez connu l'émission là, non? Love Story. Pourquoi quelqu'un ne peut pas nous produire? Il nous fait un peu un Love Story, un peu un genre là. Là, on vit un peu, nous tous, dans la même pièce. Vous voyez comment tout le monde pète les plombs et tout ça là. Et ceux qui marchent les sangs calessons et ceux qui font le Congo ça et tout. Ça sera encore bien. Vous allez là jusqu'à... Quelqu'un ne peut pas nous produire comme ça. Là, on se retrouve un peu à un seul endroit. Si on décide, on nous sponsorise aussi un peu, non? Hmm? On nous sponsorise aussi un peu. Comment on lave sur les détecteurs? Comment d'autres font ceci? Comment d'autres font... Eh, ok. Ma jolie Ngaba, ça va? Ah, c'est à ma soeur, hein? Ma soeur a le goître. Parce que le week-end, s'il tombe qu'elle travaille, et c'est là où il y a la Njoka, jusqu'à... Il y a la Njoka jusqu'à... Et le week-end, là, elle travaille. Ma soeur, là où tu es, là, tu viens se manguetter. C'est ta pause cigarette à Sia. Hmm? Moi, je vais monter à Paris, là. Je m'en vais voir la Reine Galloise. Maman, le goût de chat. Je vais voir la Reine Galloise, là. Là, un peu boire ensemble. C'est moi qui mets beaucoup de cœur comme ça. N'oublie pas... On cache et tonton à moto. Non, t'inquiète, Nangonias. On va parler de ça. Tu m'aurais même dit ça hier, quand je l'ai vu là. Mais bon, il est parti aussi à une soirée là à Madrid. Donc, c'est les histoires de... On va dire quoi? Demain, c'est dimanche. On laisse le temps de se reposer. Donc, même lundi ou dans la semaine. Hein. Je te dis que ma Julie a le goître de ça. Ça passe de 19h à 7h du matin. 7h30 même. Elle a le goître. Elle a choisi, non? Elle a choisi. Charlotte Nouga, moi aussi, je t'aime. Parce que la façon que tu l'as, Tata Doudou, je t'aime. Ça, c'est un je t'aime qui est profond. C'est, j'ai reçu ça. Moi aussi, je te dis, je t'aime. Elle dit que le Congo, ça de ça. Vous avez failli me tuer de rire.
N'est-ce pas? Alors que tellement vous étiez curieux de savoir que, ouais, nous, stars, si personne ne fait des directs. Dès que les directs ont commencé, hein, l'autre lance le direct là-bas, bim. L'autre lance le direct là-bas, bim. L'autre lance. J'ai dit que j'étais mort de rire. J'ai dit que. Aïe! Oh. Les FP. Maman, les FP. Vous êtes. Beau et belle jusqu'à. Les FP, je vous respecte. Pourquoi vous vous cachez alors? Bon, je peux encore comprendre que par rapport à vos vies respectueuses. C'est par rapport à ça. Mais la beauté de ça. La beauté de ça. Il y a une là qui me suit souvent aussi. Je crois qu'elle doit être fatiguée. Maman, elle est belle. Belle jusqu'à. Merde. Belle jusqu'à. Et qui est qu'elle est... Toute la plupart même. Eh bien, tata doudou, tata doudou, tata doudou. Et d'autres que je connais même déjà bien même. Bon. Mes amours, je vous laisse. Laisse-moi aller dormir un peu. Parce que sinon, je ne fais que parler, 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 parler. Après, je ne vais même plus respecter ce que j'ai dit. Mais... Vous me réveillez, non? Hein? Tu as dormi à 4 heures comme si tu étais à la fête. Alors que non. Mais vous aussi, vous souffrez aussi avec nous. Hein? Vous êtes même plus fatigué que nous qui allons même sur place. Parce que vous êtes là. Et tic, 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 il faut être à l'affût. Il faut walk. Il faut walk. Merde. Non, non, non. Respect aussi. On walk nous tous ensemble parce que la femme. Donc, réveillez-moi. D'accord? Mettez le réveil. Vous réveillez Tata Doudou. Parce que si là, comme j'ai bien mangé là, le sommeil là m'emporte. Je dis que ça va m'énerver. Ça va m'énerver parce que la fatigue là. Shalom Nouga, merci beaucoup. Ange Mireille, vous serez à quelle heure avec la Galloise? Moi, je pars d'ici à 2h du matin. Tata Doudou, mets le réveil, ne dors pas. C'est vous qui devez mettre le réveil. Mettez le réveil, vous me réveillez. À 1h30, j'ai dit. Si je n'entends pas le réveil, ce sera à cause de vous. Hein. Mettez le réveil. Le 9, on se rencontre ensemble. Aïe. Ah oui. Ah! Dimanche, demain, maman, et demain même aussi, je suis invitée à un anniversaire et une livraison. Mon papa, c'est toi, hein? Tu sors ou tu reviens? Hein? Ouais, tu aurais pu aller dans la voiture. J'ai les trucs dans la malle arrière, là. Non, les biberons, là, tu as pris? Bah oui. C'est sur le côté de la main arrière. Tu as là où il y a souvent les pochettes là. Les clés de la voiture. Mais c'est vous qui avez ça, non? Non. Regarde si ça n'a pas rangé ça là-bas. Et tu n'as pas encore fait le truc de tonton Richard qui l'a dit. Hein? Non. Mais il faut alors faire parce que je vais. Et il est reparti encore avec les clés. Il est reparti avec la clé. Prends les biberons qui sont là-bas, s'il te plaît. Donne ton numéro, je te réveille. Je t'aime, ma grande. Voici vos cœurs. Merci. Ouh, les j'aime, les j'aime. J'ai dit de mettre, je ne veux pas. Vous êtes têtu même aussi. Hein. Je serai ce soir à Nières. 4 jours, lui, Ama. Siena Djaï. Hein? Il y a le réseau là-bas. Hein? Là, le 9 septembre, Riz O. On se rend ensemble le 9 septembre. Il y a quoi le 9 septembre? Bon, le pas dormi. Je mets le réveil à 2 heures. Bon, bisous, mes chéris. Tout à l'heure. Vous avez mis le réveil, non? Oui, bonne nuit, mes chéris. Pardon, il ne faut pas qu'elle dorme jusqu'au matin parce que la reine galloise m'attend. Et la marve galactique. D'accord? Bisous, mes chéris. Tata Majulie, elle, c'est que comme elle travaille à l'hôpital,
Vous voyez, non. Sa part, c'est qu'elle elle ne peut même pas dormir. Elle ne peut pas. Okay. Elle ne peut pas dormir. Elle dit qu'elle a le goitre de ça, le goitre. Allez. Merci beaucoup. Merci pour les cœurs, mes chéris. À très bientôt. Hein. Quand je pars, même à 2 heures, là, je mets encore. Hein? Quand je parle, là, 2 heures, je bombarde encore, n'est-ce pas? Un autre direct là. Mais j'ai dit de mettre le réveil, vous me réveillez. Je ne blague pas un instant avec vous. Je vous ai dit de me respecter. Vous comprenez, non? Donc, vous devriez chouchouter Tata Doudou, la qualité qui est que... Ouais, la fille qui a perdu son sac, là, j'ai oublié de lui faire encore la talakou. Elle a perdu son sac. Donc, avant qu'elle ne perde le sac, elle a quand même... En venant, elle savait qu'elle allait venir me voir, me rencontrer, non? Parce qu'elle allait manger le misonga et que j'allais être de la partie. C'est la partie là que j'ai oublié. Ouais, ok. Elle m'a offert les boucles, des jolies boucles d'oreilles. Heureusement que le cadeau là n'est pas parti dans son sac. Eh. Qu'on a volé. Vraiment, les gens sont méchants. Eh. Les gens sont trop mauvais. Et ah, vraiment, la vie si. Mia que tu m'auras frouée. Et la vie s'est retrouvée comme ça. Ne m'en moanga. Franchement. Vraiment. Bisous. Hein. Merci, ma chérie, quand même. Que Dieu te guide à trouver. Et avoir la bonne solution. Oui, Nyango Nias, je m'en vais dormir. Allez, bisous. Hein. À tout à l'heure.